Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde au sous TAC 609, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. Jodi an, dossier assassinat président Jovenel Moïse, nous pral toucher dans une autre dimension. Plus approfondi, dans une dimension beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereuse. Et je suis sûr et certain, j'aimerais nous laguer président Jovenel Moïse, nous pas plaguer pour ça, parce que pas une jouette là, et bagaille sérieux, net aller, nous pral débattre dans l'émission pour jeudi. Jovenel Moïse, li mouri lâche. Jovenel Moïse mouri pour crétin. Président, pas qu'on lâche. Président, pas de lâche. Est-ce que nous songez, dans l'interview Rodolphe Jean alias Dodof te fait avec New York Times, hein? Nous songez quand tu t'es aveugle de bail sous garantie qui t'es gagné pour la participer dans le complot pour assassiner Jovenel Moïse parce que soi-disant gouvernement américain te bail approbation yo. Gouvernement américain t'a supporté complot, etc. Mais est-ce qu'on pose cette question pour qu'on ait l'air parler de gouvernement américain? Est-ce qu'il s'agit réellement de l'administration Biden ou bien est-ce que son petit groupe nègre dedans pays qui montre propre gouvernement américain dans l'ambassade des États-Unis? Nous comprenons ça. Est-ce que l'air parler de gouvernement américain qui bat approbation, qui d'accord, qui accepte complot pour assassiner Jovenel Moïse, est-ce que de l'administration Biden non? Ou bien est-ce que son groupe nègre, est-ce que son groupe diplomate américain, ancien diplomate en fonction qui choisit yo même monter propre gouvernement américain yo dans l'ambassade américaine qui tabole? Eh bien rete là non, nous pral parler causer, nous pral expliquer des points extrêmement importants jodi an pour qu'on ait le n'a chercher responsable yo. Le n'a cherché moun ki participe nan complot, moun ki mette chita complot sa pou touye Jovenel Moïse, pou assassiner président Jovenel Moïse. Ah oui. Gen des hauts fonctionnaires de l'État haïtien, konsa tou. Gen des hauts fonctionnaires, des anciens hauts fonctionnaires américains là-dedans tou. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on entend parler de Ryan Grimm? Sou pa konnen personnage, ou kap gade photo là nan écran. Sou pa konnen personnage, bon fon ti passe sou li en quelques secondes ou pral gon idée de sa m pral développer après. Ryan Grimm, c'est un auteur, c'est un journaliste réputé américain. Li gen en pile expérience dans domaine journalistique là. Li gen en pile expérience dans ça qui gen poué avec commentateur politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire inviter des spécialistes en politique, des politologues venir là, à analyser faire politique, à essayer chercher, découvrir vérité qui cachait derrière chaque décision, chaque action qui posait par bon côté chaque acteur politique. Yo. Donc c'est job li. Et depuis jour assassinat président Jovenel Moïse, journaliste américain ça suit de très près. De très près ça cap passé dans dossier assassinat Jovenel Moïse, parce que nous connaît pour assassinat fait faut gagner commanditaire, faut gagner auteur intellectuel, faut gagner exécutant. Jusque là, jusqu'à date, depuis 7 février, yo prend un groupe colombien, yo prend des haïtiens ou américains, yo prend des haïtiens natifs natal, yo arrêté yo comme moun qui participait dans touye Jovenel Moïse, gen qui gen mandat d'amener derrière yo, gen qui gen envie de recherche derrière yo comme auteur, comme présumé auteur intellectuel dans assassinat Jovenel Moïse. Pendant que autorité, pendant que chef la caïn nou yo même y a réglé l'autre cause et a fait l'autre bagaille, eh bien Ryan Grimm aux États-Unis, il concentre sur ça qui priorité dans le dossier Jovenel Moïse.
chercher information sur ancien diplomate américain, chercher information sur des hommes d'affaires haïtiens, chercher information sur des politiciens haïtiens qui ont même de près, de loin ou de très près participé dans un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui? Nous toujours tendez à parler de, eh oui, ambassade américaine dans Port-au-Prince, c'est la bastion, c'est là toute décision qu'a prend, toute influence qu'a fait son président, son premier ministre, son gouvernement, c'est là pour sortir. Corps groupe constitué, nèg yo mette kan pou un corps groupe dedans pays, en sorte de syndicat pour qu'a contrôler pouvoir l'état, pour qu'a contrôler décision on président prend dedans pays, décision premier ministre prend dedans pays. Donc que l'on veut ou non, ambassade américaine contrôlée exclusivement politique intérieure pays noir Haïti. N'a vini ou? Est-ce qu'on songe ancienne ambassadrice Pamela Ann White? On songe elle? Mais li, gade le pouwe. Ou pas oublier, de 2012 à 2015, Pamela White l'était diplomate américaine, l'était ambassadrice américaine en Haïti. Et depuis lors, depuis son matéli, l'ila, li gen influence li, l'a exercé autorité, l'a exercé pouvoir sans limite li, sous prétexte que c'est des décisions qui sortent directement par bon côté administration Obama, parce que à l'époque 2012, c'est Barack Obama qui était président des États-Unis. Donc, bon ensemble de décisions nous te ouais, ambassadrice Pamela White t'a prend, faut que nous t'a posé tête nous question, est-ce que c'est décisions qui sortent directement par bon côté administration Biden? Non. Parce que, l'on parle de ambassadrice, li là, pour l'exécuter, exécuter qui ça, exécuter plan ou bien encore agenda que gouvernement là gagné pour pays li accrédité là-dedans. Mais nous ouais pas bon côté nous ouais la caille nous comment ambassadrice et comment un fonctionnaire américain ça oui puisque on est politicien nous on sont pas que petit sous pè blanc depuis son blanc vert toujours pas un côté pour mettre corps tout nèg dans dedans pays a cherche un petit goût blanc pour corriger pour approuver décision et puis soit d'ailleurs pour qu'a mettre instabilité en dedans pays. Assassinat Jovenel Moïse soit assassinat prophétique lié on va expliquer en 2021 en mars 2021 ancienne ambassadrice Pamela White, l'ité gagne audience, l'ité a participé devant commission affaires étrangères, chambre américaine, chambre députée aux États-Unis. Ça, son entrevue qui pas vraiment remarqué. Mis à part le nouveliste qui était écrit sous lui, ou pas jeune l'autre média vraiment qui relayait, qui comme si, qui essaie de décrypter ensemble des formations que l'ancienne ambassadrice a baillé. Et là, tout nous pourrons comprendre que pas gagné, nous, qui arrivait en Haïti, pas de prémédité. Pas de aucune décision pour aller ambassadrice, ambassadeur, sous-secrétaire d'État pour aller prendre, que pas de planifier déjà à l'avance dans ce qui vient pour avec stabilité pays, dans ce qui vient pour avec sécurité Haïti. En 2021, mars 2021, Pamela White li paraît devant commission affaires étrangères parce que faut qu'il te vienne parler de climat sécurité haïtien, de climat politique en haïtien, de comment parce que Jovenel Moïse à l'époque li t'a poté bourré sous élection parce que projet a c'était élection tête droite référendum. Donc Jovenel Moïse même li t'est campé red des décisions t'est pas pour le mettre campé en CEP. CEP ça, nous te gen opposition qui te conteste, nous te gen société civile qui te conteste, nous te gen organisation de défense droit moun qui te conteste, Jovenel Moïse contre tous, c'est consalté. Jovenel Moïse comme un seul homme, li contre tout moun sa yo, parce que li te gen objectif changer constitution, li te gen objectif faire référendum, et même ambassadrice américaine qui était là à l'époque, Michel Cizan, il était campé dedans. Il était campé dedans parce que il était doux, yo même, yo estimé que CEP son CEP qui contestait, son CEP qui allait dans seul intérêt Jovenel Moïse, yo pas dans cause référendum, yo pas avec changement de constitution. Donc bon ensemble de décisions qui te prend. Mais est-ce que décision
Si Zen te prend, est-ce que elle te reflète tout bon? Est-ce que elle te reflète décision administration Trump là à l'époque? Nous pas connaît. Nous pas connaît pour qui ça? On va comprendre bagaille. Bagaille on doit comprendre étape par étape. Parce que pour nous retourner non pas Pamela White. Le Pamela White paraît devant commission, lui fait comprendre que Jovenel Moïse, premièrement, Jovenel Moïse n'a pas gagné étoffe en président. Jovenel Moïse n'a pas gagné carrure en président. Est-ce que nous t'entendez décoder? Yo pas gardé Jovenel Moïse pour rien. Yo pas gardé Jovenel Moïse pour patate. Et là les plus loin pour le faire comprendre que Jovenel Moïse président pays, Jovenel Moïse li monte président suite à des élections démocratiques. Et élection que t'es fait, élection que t'es bal pouvoir, que élection t'es contesté, que élection pas contesté. Une fois que Jovenel Moïse li prête serment, li investi de fonction, Jovenel Moïse, il était président nous tous, il était président pays. Mais l'ombre a le temps de ancien ambassade, il se fait comprendre que Jovenel Moïse à tout prix, en mars 2021, Jovenel Moïse, il a assassiné 7 juillet 2021. Gardez combien de jours? Gardez combien de mois? Mars, avril, mai, juin, juillet. 4 mois. 4 mois. Qui ça Pamela te dit? Pamela dit carrément. Jovenel Moïse, yo doit retirer Jovenel Moïse à tout prix. Yo doit éliminer Jovenel Moïse, écarter Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse pas de place. Jovenel Moïse, li ton poids lourd, yo te supposé évincer le, retirer le, éliminer le. Nous pral comprendre que le Pamela White fait déclaration ça, li fait en connaissance de cause. Li fait parce que yo te geta estimé pas gen rien qui ka fait avec Jovenel Moïse encore. Fok Jovenel Moïse, fok yo écartel, fok Jovenel Moïse, fok yo retirel, fok yo éliminel, fok yo évincel. Prend verbe ou vleyan, prend synonyme ou vleyan, prend mot vleyan, li vle di yon seul bagay. Fok neg yo éliminer Jovenel Moïse. Ou pral vin kopran, ou pral vin kopran. An pil fwa nou tande, neg ap dou an Haiti, blan kanpe deye yo, blan ave yo, blan kore yo, li pas forcément c'est administration Trump, administration Biden, administration Obama. Li pas forcément c'est moun sa yo kap dirige ki gen contrôle États-Unis, ki ba yo lot, ki passe yo lot. Non pou yo vin décider pour Haïti. Non. En pile fois c'est parce que nous assister avec l'État dans l'État. On va le comprendre m'a parlé ou l'État dans l'État. Nous gen ambassade américaine. Ambassade américaine, jodi an la, nan di loue fort, li représente États-Unis en Haïti. Mais le fait que le représente États-Unis en Haïti, nous te ka di si à travers, de manière légale, de manière et en termes de technique, nous te ka di, ok, c'est à travers diplomatio, secrétaire d'État, etc., 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 tout le monde sa yo qui constituye, et qui constituye pouvoir américain, administration en Haïti, c'est à moun sa yo, yo voye un diplomate en Haïti, yo voye des consuls, moun sa yo, t'as bien pu yo prendre des décisions au nom du gouvernement américain. Mais le coup n'y a nous jouen des séries de diplomates ou jouen un ambassadrice ou Pamela White, qui influent, qui gagne pouvoir, qui marre saucisse avec politiciens, avec les entrepreneurs, gros bourgeois, gros ganèk, kap kase pointe moun, kap kase kesona, etc., kap pren l'argent, kap bambile, qui marre la loyo avec des séries de nèg qui gagne contrôle gang en dedans pays. Dim sauvle, c'est l'État dans l'État. C'est ça nous carrele en termes diplomatiques, en notion de diplomatie, qui rele deep state. Deep state, c'est l'état profond. Et en forme de parallélisme qui gagne. Ça veut dire, bon gouvernement parallèle en dedans au gouvernement. Ça veut dire, nèg yo décide en ambassade américaine là,
Pamela White nan tête, li choisi de l'autre négavel qui gen l'argent, soit dans le secteur privé, soit dans la classe politique, opposition, etc. etc. Yo monte au pouvoir. Yo monte au pouvoir, yo. Dans l'ambassade américaine, non, et pour pral tande, yo pral faire pression sur le président, yo pral faire pression sur le gouvernement, sur des membres du gouvernement, pour faire ça, yo vle. Pour faire ça, yo vle. Jovenel Moïse, li victime de ça. Jovenel Moïse, tellement victime de pression des hauts diplomates américains, de pression anciens diplomates américains, mais qui toujours influent en Haïti, à un certain moment, nous prenons Jovenel Moïse, tout le temps prend un paquet de décrets. Il était même arrivé dans la limite pour te rentrer dans le décret. Parce que vous estimez que le décret, ça, c'est des décrets liberticides qui violent les libertés. Jovenel Moïse, la prédécision et pour le mettre comme CEP alors que le gouvernement américain dit non. La prédécision pour le faire référendum alors que le gouvernement américain dit non. Et pas mais là aller plus loin pour le faire comprendre que là aller plus loin pour le faire comprendre avec Jovenel Moïse li pa wè ki intention États-Unis gagne pour t'al bay 33 millions de dollars américains pour continuer avec une élection qui à la base contestée qui à la base déjà opposition vilipendé opposition vilipendé opposition voye roch yore les CEP Jovenel Moïse te mette campé on CEP Champrel kounye Yo jouen Pamela qui koreyo, yo jouen ancien ambassadeur qui koreyo, et puis kounye a, y a pote bourré yo dou, yo pas avec Jovenel, yo pas rien qu'a fait avec Jovenel. Pour m'aller plus loin, c'est pas mandé, non, c'est pas pression, yo pas de faire sous Jovenel Moïse de manière douce pour le démissionner. À plusieurs reprises. Mais qui ça gagne? Pamela White fait qu'on elle. Li fait qu'on elle, Jovenel Moïse, en aucune manière, il peut admettre pour te démissionner. Et c'est une des raisons qui fait te venir avec, qui fait lui-même personnellement te proposer l'option du premier ministre. Il a mis Jovenel Moïse de côté, il a éliminé Jovenel Moïse, il a renvoyé Jovenel Moïse, il a écarté Jovenel Moïse, prend Jean Nouvel, il a assassiné Jovenel Moïse, et puis il a venu avec l'option du premier ministre. Je veux dire qui ça n'est là. Nous pas le premier ministre. Nous pas au premier ministre dans la peau du président. Nous pas au premier ministre Ariel Henry Jodian là qui a présomption de culpabilité sous dol, présomption de complicité sous dol dans l'assassinat Jovenel Moïse qui a fait l'appuyer le bouton là. Tout bagaille était bien prémédité. On va aller plus loin avec nous. Jodian nous pral aller loin. Nous pral aller loin pour nous comprendre que nous même en Haïti, nous gè ça pour habitude, nous gè mauvais, nous gè vice ça trop. Des héritiers de blancs, je vais politicien paix. La caille aux États-Unis, yo pas minan. La caille presque pas bayo valeur. La caille si yo te bon comme ça pour ça pas traiter dans diplomatie. Pour qui ça pas chercher un poste influent yo te mette yo. Pour qui ça pas bayo son travail qui t'a utile avec peuple américain. C'est vrai, OK, n'a dit dans diplomatie, faut gagner des diplomates extérieurs qui travaillent dans leur pays pour kembe relations américaines. OK, pas de problème. Mais faut qu'on connait limite. Jodi an là, on a parlé de diplomates, n'a parlé de ambassadrice américain. N'a parlé de monde qui représente le gouvernement américain en Haïti. Yo dépassé limite yo. Yo dépassé fonction yo. Yo dépassé pouvoir yo gagné, yo dépassé autorité yo gagné. Qui doit en ambassadrice pour la vin fourer bouche li dans politique intérieure en Haïti? Qui doit en ambassadrice pour la vin passer l'ordre dans ça qui gagne pour avec principe démocratique la caillou? Qui leur pour faire élection? Qui leur doit faire référendum? Qui leur doit changer constitution? Qui est-ce qui doit faire? Qui doit le gagner? Et c'est ça que fait le nous à l'autre pays a déclaré au persona non grata. Nous même là quand nous pas qu'à faire bagaille ça moi même franchement c'est kem kembe. Et c'est ça que fait n'a pour retourner nous obligé. Bon pile fois n'a parlé de Duvalier dictateur. Oui, Duvalier son dictateur férocité. Des fois le n'a mettre Jovenel moi comparer Jovenel Moïse avec Duvalier pour du Jovenel son dictateur féroce. Moi pas comprendre sens dictature là on dirait bien.
Yo pas comprendre sens dictature là, on dirait bien. Jovenel Moïse était pesé sur accélérateur, c'est vrai. Mais il y a des décisions qui supposé prendre pour pays. Quand il s'agit de protéger intérêt pays, s'il le faut doit agir en dictateur faut faire. Et c'est ça que fait l'homme a parlé de Duvalier, ouais, Duvalier était déclaré et quelques diplomates américains ou fonctionnaires américains rapide vite prend paquet noir aller pour me déclarer nos personnes non grata en Haïti. C'était bien fait. Depuis lors, combien de fois nous dans l'histoire pays nous bon président qui prend décision pour déclarer personnes non grata pour mettre dehors diplomates américains malgré fourre dans nos affaires pays nous malgré fourre pied toute longueur dans la politique pays nous, dans mettre instabilité, dans créer petit clan, corps groupe gè clan pa la supporter, binu gè clan pa la supporter, nous pas trop avec Ariel avec Claude Joseph. La Limdou après 7 juillet au fin assassiné Jovenel Moïse, la Limdou li campé derrière binu campé derrière Claude Joseph. Ariel en est venu parce que Ariel fut l'option premier ministre. Ariel c'était option premier ministre. Parce que Jovenel Moïse peut-être il pas connait il pas gagné Ariel dans collimateur qui t'a pral remplacer parce que t'a pral assassiner il était gagné vision Ariel Henry peut-être qui t'a pral collaborer avec elle pour chercher soi-disant stabilité pour arriver faire élection avec elle parce que Jovenel Moïse à un certain moment de la durée c'est lui même seulement t'es campé avec cause référendum ni. Malgré toute pression que t'as fait sur Jovenel Moïse, lui-même seul qui t'est campé, et si menti que Joseph a démenti, il était premier ministre à l'époque. Jovenel Moïse, comme un seul homme, il était campé parce que il te voulait changer la constitution. Il te voulait bailler diaspora au minimum. Il te voulait bailler diaspora aux possibilités pour te représenter le pays. Seul lui-même. Et moi, une question m'a posé tête. Moi, pour qui ça? Pour qui ça ambassadrice américaine non? Pour qui ça Michel Cizanne? Pour qui ça Pamela White? Pour qui ça soi-disant sous secrétaire d'État américain qui était là ta fourré bouche dans cause Haïti? Pour qui ça tout te campé contre projet référendum non? C'est pas en entente qui pas te cajon avec Jovenel Moïse. Opposition, c'est pas en entente qui pas te cajon avec Jovenel Moïse pour te admettre. Pour yote chita parler, pour yote dire ok au final, n'a pas choisi à l'élection, n'a pas choisi pour nous échanger constitution, pour nous faire référendum. C'est pas en tant que pas de cajouen. Yo pas choisi faire parce que c'était Jovenel Moïse. Yo pas choisi faire parce que plan pour te évincer Jovenel Moïse, pour te liquider, assassiner Jovenel Moïse, l'ité gêta quitte. Les carottes ont été déjà quittes pour Jovenel Moïse. Les carottes ont été quittes. Donc, c'est petit souffle qui est sous Jovenel Moïse, mais Jovenel Moïse, pour que j'en pense si nèg yo te assassiné, mais il te gêta mouri, il te mouri debout. Pamela White, il signe arrêt de mort Jovenel Moïse. Nous te gêta Anthony Blinken, moi m'pas j'en oublie ça. Non, moment yo t'a fait bilan, yo t'a fait bilan trois mois égale 90 jours. 90 jours, les premiers 90 jours de Biden, Anthony Blinken, qui est sous-secrétaire d'État américain, lui a fait comprendre Haïti pas de priorité. Yo. Si Jovenel Moïse, pendant tout le temps, lui fait ça, nous te vle. Yo. Jovenel Moïse passe 4 ans, l'abservi intérêt américain, l'abservi intérêt gouvernement américain. Yo. Et on peut le comprendre, décision pour voter contre Venezuela. Dans l'intérêt qui est cité. Dans l'intérêt qui est cité. Dans l'intérêt gouvernement américain. Dans l'intérêt États-Unis. Alors que Petro-Caribe, l'agence en est qui prend, dilapide, gagotel, qui est-ce qui te permet de bénéficier gaz à crédit Venezuela? Haïti balon vote historique, on vote de trahison. On va dire que vote libéral, lançons vote et selon rapport diplomatique, rapport de force, etc. Qui rapport de force Haïti gagne? Avec qui est-ce qu'il va le faire? Haïti t'a servi, Jovenel Moïse t'a servi intérêt États-Unis. Jovenel Moïse tellement t'a servi intérêt nèg bien. Moi même beaucoup jamais ouais, beaucoup jamais comprendre réalité qui cachée derrière prise de décision pour nèg assassiner Jovenel Moïse comme ça. Parce que un monde qui fait bien tout bien ça yo, choisit trahir comme ça.
Nous prenons comprendre la politique, en vrai, par les amis. Jovenel Moïse, t'es qu'à considérer ses amis, n'est-ce pas? Mais yo même, c'est intérêt à gérer. Que ce soit intérêt financier, ou bien, avec groupe mafia, yo, dans question trafic drogue. Ah oui, trafic drogue, trafic d'âme, trafic d'organes. C'est trois bagages ça, yo, qu'a fait actualité en Haïti. C'est trois bagages ça qui a fait actualité. Parler de faire actualité, c'est pas scandaliser à travers les médias, bien entendu. Parce que quand j'ai un média, je dis qui pas osé ouvrir bouche parler de ça, parce que patron yo, moun ka financer yo, yo nan dossier yo, yo nan zin yo, cause à ces causes yo lié. Donc, Jovenel Moïse, il était seul contre toute une administration qui n'a ambassade américaine, qui constituait pour créer instabilité en Haïti, qui constituait pour créer insécurité en Haïti, pour toujours bien contrôle, pour toujours bien client. Donc, Jovenel Moïse, il mourit lâche. Jovenel Moïse, il mourit innocemment. Jovenel Moïse mourit innocemment. Il mourit innocemment parce que il n'a pas pu voir venir la mort. Non. Il n'a pas vu la mort t'a venu. Parce que l'été quoi, elle était tellement bien entouré, l'été quoi, elle était tellement bien protégé, l'été quoi, si zen qui était là, pas quitté en yé mal rivel. Ah oui, parce que le mercenaire a débarqué la caille, l'irrelé. Lui même relé, ambassade américaine, pour venir protéger, quoi, côté yoté. Côté yoté, Michel Sizen te choisi pour vacances. La veille, nèg yo t'a rentré, vin assassiner Jovenel Moïse. Soit coïncidence ou bien c'est anodine, c'est comme ça. Hmm? Il te choisi pour prendre vacances pour aller en vacances la veille assassinat Jovenel Moïse. Donc jodi an la, seul monde qui ka ouvri voie pour nous comprendre ça Jovenel Moïse t'a enduré pendant 4 ans pour nous comprendre dans qui humiliation, dans qui indignation Jovenel Moïse t'ayé. Président Jovenel Moïse t'a subi qui ça t'a vive en dedans pays ça. Ha, pas seulement on est là ton président pour nous comprendre toute bagaille était réglée, toute bagaille était bonne. Oui, Jovenel Moïse il t'a gagné, il t'a joui des privilèges. En tant que président, des privilèges pour jouer. Jovenel Moïse t'es plein sécurité qui pas servir là rien 7 juillet. Mais je dis en là Martin Moïse gon paquet en paquet de bagaille pour le 10 nation, pour le 10 peuple haïtien. Et m'sûr, Martin Moïse, c'est lui qui te connaît toute humiliation Jovenel Moïse t'a subi. C'était Maril, c'était compagnol, c'était président nous tous. Nous pas te connaît, nous pas te la caille. Indignation Jovenel Moïse t'a pris. Non mais aux fonctionnaires américains. Combien de fois vous fermez un téléphone sous lui? Combien de fois vous humiliez? Ah oui. Combien de fois vous relez sous tête lui? Martin Moïse contre tout bagay ça. Chaudière doit chavirer. C'est pas seulement chaudière, un système qui doit chavirer avec nèg ici, politicien ici, à tout faire ici, nèg qui doit défendre droit moun et puis c'est droit qui goût pas eux défendre non. Jodi a la nous voulons chavirer tout système nan. Même nèg n'a prélé oligark yo, même nèg qui constitué élite économique pesé sous ça. Même monsieur dame sa yo qui constitué la mafia internationale à travers des ambassades, à travers des consulats en Haïti. Ligue pour le 10 population haïtienne, pour le 10 peuple haïtien. Mais ça Jovenel Moïse t'a subi pendant 4 ans. Ou pas besoin d'attendre l'élection pour arriver, pour venir parler avec la population. Ou pas besoin de faire à travers CBS, CNN, NBC, Washington Post. Ça arrive pas faire les médias haïtiens ont confiance. Oh oui, parce que vous paquet de médias qui passent 4 ans à vilipender 4 ans à détruire le caractère Jovenel Moïse, le caractère Mario. 4 ans médias en Haïti pour la plupart a détruit sa Jovenel Moïse te prend temps pour construire. Oh oui. Pas yon pile. Blessure yon pile. Souvenir yon pile. Trahison yon là.
trait yo là toujours. Donc on pral comprendre par rapport avec toute situation ça, sou pa parler finalement ap tout fait. Sou pa parler jodi an, demain ça pitris. Parce que sou kite ces populations haïtiennes, ces peuples qui kole bout par bout pièce pozol yo, qui kole bout par bout épisode yo pour chercher découvrir ça passé président yo. Pi devant yo pa kwè parole ou pi devant yo pa kwè discours ou t'es là. Ou t'es là pendant 4 ans. Ou t'es là dans la nuit 6 pour le 7 juillet. Ou gen bagay pou di peuple la. Ou gen bagay pou di population haïtienne la. Nous bouke, nous fatigué avec jodi an la enquête k'a fait FBI k'a fait. En tant que passé avec le gouvernement américain, de série de nègres qui t'a supposé prendre prison à vie, qui t'a supposé condamner à perpétuité, c'est deal qu'a fait pour 10 ans. C'est deal qu'a fait pour 15 ans prison. Code justice. Code justice pour Jovenel Moïse, alors que jodi an là, de série de hauts fonctionnaires américains qui participaient, qui fait route, qui participe, qui n'a l'ouvri porte pour nèg monter complot, pour nèg monter coup d'état pour assassiner un président. Comme si de rien n'était, yo fait carrière parler dans figi moun. Comme si de rien n'était, yo influent pour pire dans de dans pays, dans mitan communauté haïtienne. Qui ça qu'a fait? Moi-même, ça qui est extrêmement important, je dis, dans le travail d'enquête FBI à faire. Yo doit prendre en considération, yo doit prendre en compte la clameur publique, l'opinion publique, des travail des journalistes compétents que l'en Haïti, que à l'extérieur. Parce que travail d'enquête, yo travail d'information, yo pas gagne toute zèle qu'yo nan men yo. De série de bagay qui t'est passé depuis le Jovenel Moïse monté, si c'est pas un journaliste en Haïti qui dévoile, c'est sûr que le peuple prend la rue comme ça. Nous gen bagay pour nous parler, nous gen bagay pour nous expliquer. Jodi an la, faut enquêteur agent FBI yo al sous piste qui gagne sous ti gouvernement américain ça qui monte ambassade américaine là. Non. Nous pas qu'à admettre, nous pas qu'à continuer à admettre qu'il y a un gouvernement parallèle en dedans pays. Non. Nous, c'est haïtien, nous défendons l'intégrité pays. Nous défendons la souveraineté pays. Nous disons dans la démocratie. Nous disons nous voulons faire respecter les principes démocratiques. États-Unis ou des limites. Haïti des limites. Jovenel Moïse a fourré bouche li nan koze élection la Kay Biden, la Kay Trump. On quoi Trump te di Haïti, son pays trop de merdité, c'est trop cacalté. Donc permettez-moi de vous dire, gouvernement haïtien, l'État haïtien trop petit, nous trois juifs, pour nous tailler tout pouvoir, ça, toute autorité, sans pour nous parler dans bagay blanc. Maintenant, c'est pour blanc qu'on limite. C'est pour nous montrer blanc yo limite yo. Nous pas qu'à contenter nous faire l'histoire. Nous pas qu'à contenter de passer historique nous te gen gros l'armée, nous te gen gros héros, nous te gen ancien président t'a pour cadrer mi et haut fonctionnaire ambassadeur etc., etc. Jodi an pourquoi pas? Pour qui ça ne pas qu'à continuer? Pour qui ça season te pour qui ça pas mais la way t'es obligé ou l'ouvrir porte? T'es obligé l'ouvrir voie pour Colombien, pour mercenaire venir assassiner Jovenel Moïse. Ah oui. Pour qui s'assassine, t'es obligé camper comme si de rien n'était pour l'abdou gouvernement américain pas financer l'élection en Haïti. Pour qui ça? Parce que la CAI nous n'ont pas pris responsabilité, nous. Nous pas pris responsabilité, nous comme nation, nous pas pris responsabilité, nous comme peuple. Nous investis, nous payons taxes, nous payons impôts. Mais nous acceptons que l'argent nous investit, que l'argent nous débourse pour nous bailler autorité fiscale, autorité financière. Nous acceptons que l'argent, ça, yo. Ah oui, nèg prend yo pour aller acheter car aux États-Unis, car il Canada. Nous acceptons que yo détourne l'argent, nous acceptons que l'argent, yo a l'utiliser pour acheter des armes, by gang.
bay nan ghetto. Nous acceptons que l'argent ça a utilisé pour payer gang, pour les autorités besoin à le faire, à le déposer jeune fleur, à le respecter date historique. Et puis président a pas assassiné. Jovenel Moïse est un mauvais président. Le fait que nous admettons aujourd'hui des autorités extérieures étrangères, des hauts fonctionnaires étrangers rentrés en Haïti, commandités, planifiés, accepter, approuver assassinat un président haïtien, président nous, c'est un mauvais président. En tout cas, je dis en là, nous venons avec des points extrêmement importants, des éléments, en supplément des éléments additionnels dans le dossier Jovenel Moïse. Je dis en nous parler de Pamela White, ancienne ambassadrice américaine, ancien haut fonctionnaire américain en diplomatie, qui lui-même dédou, faut qu'il te mette Jovenel de côté, qui lui-même dédou, Jovenel Moïse, lui représente un cran-cran, un bara. Donc, faut qu'il te évincé, faut qu'il te écarté, jusqu'à ce qu'il assassine. Est-ce que mettre de côté, c'est assassiner, te l'a dit? Est-ce que mettre de côté, en son prémonition, te, pour y'a 17 juillet, t'as pas tout Jovenel Moïse? Voilà. Nous pas comprendre un seul bagay. Le jour pays ça a un système judiciaire sérieux. Nous avons la justice qui a fait travail tout bon. Gros paquet nèg qui mouri, gros paquet jeune femme, jeune garçon, des séries de personnalités importantes dans le pays qui tombent en babal, n'a pas compte tout bon dans qui condition ils tombent, attendez. Des séries de monde qui mouri au dou Jovenel Moïse assassiné X, l'assassiné Y, l'assassiné Z. Massacre fait, tu mettez le sous de Jovenel Moïse. Tout ça fait, tu de Jovenel Moïse. Pendant que nèg yo a prêt des affaires yo. Nèg yo a prêt les affaires yo. Moi, je me toujours dit, je me toujours clair sur ça. Mette Dorval, t'es pour changement de constitution. Jovenel Moïse, t'es pour changement de constitution. Garde en nuance. Et puis, attendez, yo dou Jovenel Moïse, tout y est Dorval. N'a pas compris que nèg ici, c'est ton y a ton pour mourir, pour y chercher un monde, pour y avoir responsable en mort, attendez. L'autre journaliste Diego Chol, Antoinette Duclair. Yo assassiné non dans des circonstances très douteuses. Jougen enquête qu'a fait tout bon dedans pays ça. Nous pral connait dans qui circonstances monsieur dame ça yo mouri. N'a connait qui est tout bon qui derrière la mort. N'a connait massacre qui fait Delma 32 qui ça yo t'a essayé maquiller. Qui ça yo t'a essayé cacher avec. Parce que dossier pas petit en dedans pays là. C'est pas coupable qui manque non. Coupable yo tellement influent. Coupable yo tellement puissant. Coupable yo tellement gen l'argent yo prend dans ona, yo prend dans caisse l'état, yo prend dans mauvais contrat. Nèg yo à l'abri. Et jou la justice a fait travail li. Jou gen des juges qui pas corrompu, qui pas fait preuve de partialité. On juge côté que la justice c'est j'ai bandé la travail tout bon. Genèg qui d'ailleurs pas jamais ka mettre pied en Haïti. Genèg qui nan maron, y a condamné au par contumace. Même là d'ailleurs y a condamné oui et jour ta gen malheur mettre pied Haïti pénitencier pour al joindre. Colon international yo nous dénoncé yo. N'a pas dénoncé ambassadrice qui a fourré bouche dans cause pays. N'a pas dénoncé corps groupe qui a fourré dans cause pays. Non. Des séries de diplomates qui déguisaient comme amis d'Haïti, les amis d'Haïti. Gros la journée aux amis d'Haïti. Dans les médias aux amis d'Haïti. Mais ils mangent pour nous. Ils ont empêché la stabilité, ils ont empêché la sécurité. Sont-ils les vrais amis d'Haïti? Sont-ils les vrais amis d'Haïti? Jodi an la, nous dénoncer les colons internationaux. Des séries de monde qui participaient, qui n'ont l'ouvri porte pour bay Colombien entrer venir assassiner Jovenel Moïse. Mais nous continuons à l'épisode là. Oui. Demain là, nous vini avec le dossier. Nous vini avec le dossier parce que Mario Antonio Palacios te déclaré. Ma banne un petit point. Palacios te déclaré que même tactique, même groupe colombien, même manœuvres à utiliser, yo te gen l'autre plan, yo te fait déjà. Yo te gen l'autre tentative, yo te fait déjà. Ou pral konn nan ki pays, ou pral konn nan ki gouvernement,
ou pral kon ki le. Rete la, parate émission, nan fini. Hey, ou gen problème bon? Bagay la piti. Rete la pal. Zest of Moringa pou te solution. Gen zouti se pomade bol an menm. Sak pral pèmèt ou ralonje pe. Bal longè ou vle, epi si ou vle, pou moun ou vle. Nan 90 jou seulement, solusyon nan men ou pa don yan. E ou menm ka fè rove. Ah, madame nan pa vlo nan kay la. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bekate? Bien pa enkyete ou, solusyon la. Gen bon yon tretman 100% naturel, pada 90 jou, tout bekate fini, zafo regle nan bon ti mami. Tout garçon ka utilize, entre 15 à 75 ans. Ou pa beje pe, produ yon 100% naturel, yon testé et approuvé. Rele nan 514-886-97-76 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passe sou website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, oui, chez Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral pas les pays, nous bral faire débat.